Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition de la rubrique Le Point sur Radio Télémétropole. Bon jeudi, rétro déjà. À 3 jours des élections du 24 janvier, les yeux sont rivés sur le CEP, mais aussi l'exécutif, car on sait que rien n'est clair pour le 24. L'exécutif rencontre des secteurs. Donc on attend ce qui va sortir de ces rencontres en perspective au 24 janvier. Ce matin, pour parler politique et élections, comme annoncé, avec nous sur le plateau, le président Joseph-Michel Martelly, le Premier ministre Evans Paul, le ministre délégué chargé des questions électorales, M. Jean-Fritz Jean-Louis. Pour l'émission de ce matin, Georges Alain m'accompagne. Bonjour Georges. Bonjour Luckner, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Voilà, politique au cœur de l'actualité, tout ce qu'il faut savoir des élections du 24 janvier, ce matin sur Métropole. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue. Bonjour Luckner, bonjour Georges, c'est un plaisir d'être avec nous matin, je profite de saluer tout auditeur et téléspectateur Radio Métropole. Et merci pour l'opportunité que nous avons et gouvernement, moi-même, pour nous capables de venir éclaircir l'idée des monde sur la situation actuelle qu'a prégné dans le pays. Oui, c'est Paul. Bonjour. Bonjour, bonjour Président. Bonjour. Bonjour Fouid Jean-Louis. Bonjour Métropole et toute équipe là. Et c'est un plaisir pour nous dans le studio. Ah, studio pas nous, on habitue venir. Tout à fait, Jean-Fouid Jean-Louis, bonjour. Pour tout ce qu'il y a avec la population. Hein. Sous ça, nous gagnons comme responsabilité et sous ça, nous voulons faire comme action bienveillante pour le pays d'Haïti et le peuple haïtien. Très bien. Bonjour Véro, bonjour Georges, pour le président, pour le ministre, tout auditoire Métropole, à tout auditeur, équipe technique, là, bonjour. C'est un plaisir pour m'avoir nous matin. Plaisir, c'est pour nous lier parce que nous pourrons permettre aux auditeurs avec les spectateurs de nous comprennent plus bien ce qu'a fait pour le 24 janvier et à qui ça nous attend nous tout après 7 février. C'est deux dates, je parle de en pile semaine ça. Georges, 24 janvier, jusqu'à présent supposé gagner l'élection, et président Martelly dit presque chaque jour, tête droite, 24 janvier. Nous avons 3 jours de l'élection aujourd'hui, à président. Est-ce que déclaration a été faite avant hier, tête droite là, ou qu'a toujours fait aujourd'hui par rapport à ça, ouais, qu'a peut passer là pour 24 là? Dernière réunion que nous faisons sur l'élection, dit remonter à hier soir, côté que nous font CSPN élargi pour gérer les questions sécuritaires. Jour ça, nous avons CSPN élargi qui veut dire que nous avons un premier ministre là, nous avons DG la police là, ministre intérieur, ministre affaires élections, nous avons un ministre qui l'a tout pour accompagner la police nationale jour élection. Qui est-ce que ma ministre de la communication. Et la chose, CEP. C'est que le CEP était là, représenté par son président, le président Aupon, de même que son secrétaire exécutif. Directeur exécutif. Et à date, je vais dire que tout le bagage est fin prêt. La police est prête, la ministre est prête, le ministère de la Justice, les fonds sont déboursés et le déploiement a commencé, les gens qui pourront aller dans le nord, dans le sud, dans l'est, à tous les niveaux, que ce soit CEP, la police, le ministère, déploiement fait, même quelques jours dit à tout déploiement fin fait. Donc, on est fin prêt pour les élections de ce dimanche. Alors, ça, c'est pour côté technique et sécuritaire, si on est capable de dire ça comme ça. Mais, en question directe et essentielle, Monsieur le Président, d'aucuns diraient, et Jude Célestin dans tout ça. Bon, et Jude Célestin, il faut me dire que normalement, c'est une question que Jude Célestin n'a qu'à répondre. Nous-mêmes, du côté de l'État, nous avons une responsabilité pour nous faire des élections. Et ceci, depuis 2012, nous avons goûté pour faire des élections. Tout le monde connaît que 2012, nous avons monté un premier CEP qui a fait me faire bac sous lui. À partir de négociations caribées. En 2013, nous avons fait l'autre dialogue encore. Et qui vient aboutir à un deuxième CEP. Négociation ça a été faite dans le ministère de la Planification. En 2014, à Iron Show, nous faisons une autre négociation, un dialogue encore, qui débouchait sur une autre CEP. Et finalement, en décembre 2014, nous montons une commission présidentielle qui était recommandée, qui était fait des recommandations.
que le président a accepté, parmi lesquels l'ancien premier ministre Laurent Lamothe allait, qui vient faire route pour caper vin premier ministre. Et dans la même recommandation, ça a été proposé que les partis, les différents partis de l'opposition, te mettent ensemble pratiquement décider qui j'en CEP après le monter. Donc, je voulais rappeler que tout ça a dit qui mal fait là, excusez-moi, c'est eux qui mal fait. Parce que l'État n'a pas bon représentant dans le CEPA, l'État n'a pas choisi qui secteur qui peut monter le CEPA, c'est eux-mêmes encore qui montent le CEPA. Donc en fin de compte, ils montent le CEP et une première action que le CEPA a été faite, je voulais rappeler, c'était mettre la première dame dans deux ans dans la course là. Et le SAT est allé dans le sens opposition, il faut me dire que l'opposition a été battue, un gros bravo pour le CEPA. Mais malheureusement, dès que la situation a prouvé que un monde qui a gagné l'élection sans le pas sortir dans l'opposition, automatiquement, il a commencé à changer en dedans le pays. Il a réussi à créer une perception parce qu'il y a un pile. Je peux qualifier ça qu'a fait là de un vaste complot, qu'un pile et institution qui mettait dans le complot. Puis il a essayé de déstabiliser nous. Et ceci, ça date de plus de deux ans. Qui fait qu'il faut admettre que on a perdu du temps, même au niveau de l'État, puisque nous avons des dossiers plus sérieux, je m'a dit. Je osé dire plus sérieux. L'élection était de tourner en routine, puisque son bail est fait chaque cinq ans. Ou encore chaque deux ans, puisqu'on vient pour renouveler le Parlement. Mais donc, il était de tourner en routine. Voilà que il y a des crises qui ont gardé nous, qui ont privé sur nous. Nous n'avons jamais eu de chance de parler de ça. Question de développement ou encore des projets de grande envergure que nous avons commencé à aborder. Je dis à personne ne va parler de ça. Et ça, c'est ça qui t'a doué. Un élément normal, puisque il retournait tout le temps, il répétait. Et puis il a fait crise avec elle, parce que justement, il n'y a pas de temps de me dire que c'est CEP permanent. Parce que justement, il n'y a pas de temps de me dire de renforcer l'institution. Je vais attendre, mais je me dis, on réfléchit sur la Constitution. Parce que ça, n'a pas vivre là. Bah, quoi, après, on n'a pas vivre. Moi-même, j'ai l'époque élection, je me suis monté, c'est un problème. Je me suis élection 96, élection 2000, 2001. Des fois, on a des parlements qui montent, et puis c'est en bas discrédit, personne n'est pas d'accord à l'élection, mais en fin de compte, je suis toujours obligé de résigner nous avec le monde qui passe. Quelque part, il y a un problème profond qui méritait pour nous aborder. Je ne vais pas arriver avec le ministre Evans Paul, mais d'abord, monsieur le président, il y a des gens qui estiment les revendications de Célestin au juste, en ce sens que la commission a démonté le rôle de fonds de travail, il fait travail là, il est recommandé. Et il y a des gens qui ne sont pas ouais, vraiment que nous mettons en application recommandations en commission. Et c'est là que nous avons un déficit de confiance. Bon, je pense que nous ne pas attendre ça qui a fait. Parce que toute recommandation, nette, sans exception, de comité d'évaluation, il prend en compte, CEPA prend en compte. Nous travaillons sur toute recommandation CEPA. Et je vais plus loin. Avant de sur recommandation commission, je voulais noter nous tout. Que la commission a une vraie raison qu'elle a été formée. C'est une commission qui peut détecter si tu as une fraude. Je te dis qu'il y a une fraude. Vous dites pas un monde qui n'a pas de fraude. Ça veut dire que nous-mêmes, nous réalisons que chaque fois qu'il y a une étape qui passe, il y a une autre bagaille. Ben là, si tu as fait de fraude, pas de fraude. Nous pas fait fraude. Il y a des irrégularités. Et sous irrégularité, ça y est, je voulais croire que c'est des problèmes fondamentaux, on a toujours victime mieux, parce qu'on n'a pas de qui ça. Des gens que des partis politiques choisissent, qui ont droit à écrire mal, à faire ratu, par contre, remplir forme. Ça n'a pas fraude. Et tout autant pas bien formé, on a toujours un problème. Kounia, on n'a pas de changer les gens. Bon, là encore, c'est preuve que nous-mêmes, nous de bonne volonté, ce n'est pas des gens que nous avons choisi, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est propre opposition, ça encore, vous dire que tu choisi, qui t'es choisi et vous dire que tu changé. Nous, tu n'as pas d'accord. Jusqu'à présent, nous d'accord avec toutes les recommandations. Donc, mais qui j'ai un qui a fait dit. D'ailleurs, il y a des propositions que la commission fait, que CEP a déjà travaillé sur eux. Donc, ce n'est pas vrai, c'est pas vrai que nous n'attendons pas des recommandations. Il y a cherché et fait des délais tout le temps, perdre du temps pour arriver à un côté,
pour nous entrer dans une situation confuse après le 7 février, une situation qui n'est pas prévue par la Constitution. Et puis pour y peut-être faire affaire par eux, pour y prendre pouvoir, Jean par eux, parce que pas qu'à prendre par élection, puis prendre Jean par eux, puis à organiser élection par eux, puis qu'à mettre moun par eux pouvoir. Mais qu'est-ce que vous avez sur 7 février, Monsieur le Président, Georges, en attendant d'apprêter sur 24 janvier avec le ministre Evans Paul, il y a des rencontres qui a fait pour là. Juste avant, on nous posait pour le ministre la question ça, on a parlé crûment et historiquement. Premier ministre Evans Paul, où c'est habitué de la rue, de manifestation, tout le monde présente comme ça. Je dis à la opposition, hein, liba manifestation, il y a l'autre tournure violente. Est-ce que, autant que le président Michel Martelly, ou même qui sont anciens militants, hommes de la rue, qui connaît béton, hein, ou quoi que élection possible le 24? Malgré la réalité, ça. Bon, bien. Bah, fondamental de ce délai, manifestation, orientation violente. Donc on n'est pas aucune société qui va l'admettre que ce n'est pas la violence, le monde va exprimer position. Et bien avant que je suis arrivé dans l'administration Matélia, beaucoup de gens m'ont fait accro à le principe de respect d'expression. Quel que soit ça, mon noble dit, les lois dit, sont constantes de lutte peuple haïtien, c'est sa constitution amendée, et il faut en admettre, quel que soit le problème ou gagné avec le président Matéli, il n'est pas fait accro au respect de la parole, de la liberté d'expression. Mais, par un monde tout qui peut le dire, il est d'accord que même si on a un problème politique, et puis c'est sous vite machine monde, c'est téléphone monde, c'est bourse monde, c'est magasin monde, et puis il n'y a pas attaqué. Vous pensez ça, toute société a de manière unanime doit condamner. Maintenant, on a parlé de manifestations, il y a plusieurs types de manifestations. Et nous là pour nous tendre toute manifestation et pour nous gérer. Parce que nous, en tant que responsable de la police, c'est que la police est toujours présente pour assurer la sécurité de tout le monde, quelle que soit la position à exprimer. Mais pas qu'on seule qualité de manifestation. C'est vrai, n'importe où, il y a des gens qui manifestent, qui ne sont pas d'accord avec 24 janvier, c'est le Wayo. Mais dans le Nord-Ouest, même joie, tu as pile en pile de qui manifestait pour dire que le 24 janvier, j'ai accueilli en foule le candidat Jovenel Moïse. Et même à la passer tout en s'agalé. Alors, ma position, c'est quoi? Quelle que soit la position que l'on voulait exprimer, il faut faire dans le cadre du respect de la loi. Et la violence, pas là-dedans. Attaquer la vie, monde, pas la dedans, attaquer bien, monde, pas la dedans. Sous ça, on a prêté sur les. Pour un premier ministre, que l'opposition, excusez-moi, Lutner, annoncé manifestation pour le 24. Au courant de ça. Alors, commencez depuis demain pour le 24. Nous, au courant de ça, encore, il y a la loi. Il y a la loi dans le sens que c'est l'État qui a décidé de qui est capable de gagner l'élection. Jusqu'au thème à parler là, dédié hier, dans la conférence de presse, dans la primature, gagnons arrêté. Qui m'a dit peuple là à le voter le 24. C'est impossible pour même pendant le peuple là pour le voter pour une autre forme de manifestation. Et c'est pas la même situation, malgré le carnaval là, c'est une tradition. Nous, trois dimounio, dimanche 24 janvier, pas gagner activité carnaval. Parce que l'élection doit dérouler dans la sérénité. Donc, on dit là que CSPN n'a pas accepté que une manifestation qui a fait. CSPN, qui s'allie? C'est des gens qui placent dans un moment précis. Pour appliquer la loi. La loi ne peut pas permettre de gagner une manifestation qui est faite à partir de vendredi soir à minuit demain soir. Depuis qu'il y a une élection, 48 heures avant, toute manifestation campée, que le samedi ou bien dimanche, c'est la loi. C'est le principe même de l'ambiance élection qui n'est pas capable de tolérer manifestation troublée, activité. Vote-là. Premier ministre, nous sous manifestation, on a prêté sous lien un petit peu pour nous parler notamment de la police ou peut-être aux images là-dedans. Il fait le tour du monde avec question réseaux sociaux. Opposition, il dit, il criait à non-respect de droit monde qui a manifesté. Il a placé dans le contexte manifestation. Qui élément vous gagnez sur ça d'abord, mais ensuite, vous condamnez action, hein? Oui, mais il y a des gens qui estiment, vous êtes supposé faire plus, il y a des mesures que vous êtes supposé prendre, qui position par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des mesures qui viennent? Bien sûr, on a parlé du principe. Nous connaissons, nous connaissons l'histoire, nous connaissons les gens qui sont victimes de torture, on n'est pas capable de tolérer
que des policiers ont exercé violence sur des citoyens, quelle que soit la position à exprimer. Et pour maîtriser le monde, pour pas qu'on doit frapper. Ça, c'est principe lié, c'est la loi. Et c'est là encore, on a toujours qu'un des principes. L'inspection générale de la police, automatiquement, ça passe, nous, en vidéo, a la responsabilité pour faire une enquête. Et j'ai déjà exprimé le premier élément d'enquête là. Ce n'est pas vraiment des manifestations qui ont été il y a deux jours dans Port-au-Prince. Ce sont des choses qui sont passées dans la zone à Kayel et des problèmes dans la zone. Mais quel que soit côté qui est passé, ou bien zone qui est passée, nous condamnons. C'est le principe. En même temps, les policiers font des choses. Nous prenons sanction, la loi mandé contre lui. Mais il faut que nous nous appelons tout pour respecter l'intégrité physique policière, pour respecter la vie. Là, on parle de droits humains, tout le monde a droit. Les policiers ont droit tout. Yo bat des citoyens, nous condamnés, nous prenons sanction. Les voyous sont policiers, les touillés policiers. Il faut faire équilibre là tout pour nous connaître ces gens, ces citoyens, son travail a fait. Imaginez-nous un instant, pas la police dans la rue, ça qui t'a passé. Les policiers n'ont pas de problème, 24 janvier. Les policiers sont là pour faire ça, ils ont demandé le faire selon la mission pour protéger la vie et bien monde. En tournant sur 24 janvier, Premier ministre, là où tu as dit hier, le gouvernement, malgré 24 là pas approché, nous toujours t'avlé que s'il a réalisé le réaliser dans consensus et s'il t'a supposé camper, j'en dis hier, faut que c'est une décision politique pour le dire. Rencontre ça yo jusqu'à aujourd'hui vers qui ça yo ka mené. Bon, on t'a capable de dire il y a deux projets sous table là. Il y a 24 janvier qui sont projets. Gagné l'autre projet, m'a dit c'est chaos. C'est vrai, nous, dans le pays, il y a des gens qui ne peuvent pas gagner l'élection du tout pour vivre dans la confusion. Je ne pense pas qu'aucun patriote, aucun monde qui remet le pays, quelle que soit la position que le remet le gouvernement, pas le gouvernement, mais le privilège d'intérêt du pays, pour être d'accord pour nous dans la confusion. Nous-mêmes qui sommes conscients que nous cherchons un moyen terme entre chaos et projet d'élection, nous ouverts. C'est jusqu'à 5 heures du matin chaque jour, président qui quitte le national. Qui est-ce que nous rencontrons comme ça? Bon, des gens dans la société civile, des gens dans l'église, des gens qui brassent l'idée qui fait, des gens qui la Lévine qui fait, ministre là, très actif, nous tous. Que le président, que moi-même, que le ministre Jean-Louis et l'autre monde dans le gouvernement, porte nous toujours l'ouvrir pour discussion, porte nous toujours l'ouvrir pour dialogue. Nous parlons à tout le monde, il y a un échange de propositions qu'a fait. Mais en même temps, le flou, c'est pigou mal que t'arrives au pays pour pas gagner aucune perspective de stabilité politique. Là, on parle de stabilité politique, c'est l'alternance. Mm. C'est la continuité de l'État dans l'alternance. Mm. C'est ça que la Constitution a dit. Et gain espoir, après tout le contre fait, vous pensez vraiment que nous avons sauvé journée 24 là? J'en voulais là, même solution, raison, j'en ai dit hier là. J'en voulais là, c'est que la décision qu'a pris est bon pour le pays et le peuple haïtien. Oui, vous pensez qu'il y a espoir pour ça? Espoir dépend de la bonne volonté des uns et des autres. C'est deux mondes qui dansent compas, c'est deux mondes qui dansent tango. Quel que soit bon danseur ou bon danseur, si vous avez l'autre monde qui danse avec vous, danse là, à bon bagaille, il manque. Mais là, politiquement, j'ai l'impression que Jovenel Moïse, le candidat du PHTK, a dansé tango pour contre lui. Bon, et ça, je suis capable de dire sous question ça. Si je suis la somme d'efforts qui fait, de négociations, de rencontres, rencontres 5 heures du matin, 2 heures du matin, etc., avec M. Célestin, avec l'autre monde qui est entourage, avec l'autre secteur dans la société, pour éviter que nous ayons une élection en graine soulier, ben, Gomba est arrivé, l'or font balle, ou pas décider qui est-ce qui va venir, ou seulement prendre toute disposition pour balle la jouer. Il arrive que il y a un couple qui vient, il y a un monde qui vient pour compter. Jovenel Moïse, ce n'est pas l'IBE qui décide qui joue l'élection, en fait, ni à qui est-ce qui parle dans l'élection. C'est CEPA qui a un résultat, qui dit le qualifier pour le deuxième tour. Maintenant, lui-même, il répond à tout ça, il a dit qu'il fait campagne, il fait campagne, il dit qu'il prépare pour l'élection, il parle dans l'élection. Maintenant, si il y a un autre bord, il y a des réticences, pour quelle que soit la raison, hein, nous n'avons pas bailler Jovenel Moïse aucune responsabilité là-dedans. Et moi, je m'ai parlé, tout le monde connaît, je m'ai parlé de manière équilibrée. Jusqu'à présent, je suis dans l'équipe Jovenel Moïse. En tant que Premier ministre, je m'ai parlé en tant que monde qui a dit la vérité et un constat que tout le pays a fait. Monsieur le ministre Jean-Fritz Jean-Louis, pour s'occuper, pour faire liaison entre l'exécutif et CEPA.
jodi a élection a fait le 24, pensez ou a même pour ta dire nous qui gens ou parti politique qui toujours dans deuxième tour intéressé à élection 24 là en termes de voyer mandat, voyer monde vienne prendre mandat etc. Comment ouais 24 en lecture ça? Bon, moi-même hier soir, c'est dernier séance travail nous avec conseil électoral là, le nous fait on passé sous tout ça qu'il y a pour faire, y compris mandat pour venir chercher, nous capable de dire plus fort parti politique, ou bien parce que tout parti politique qui impliqué dans le jour 24 janvier a gagné temps de récupérer mandat. Y compris la paix. Pas fait particularité, mais moi, quand je t'ai dit, je me suis dit, pas intéressé à faire ça. Dans le moment où je suis là, je ne dis pas si je fais là, si je ne fais pas, mais je dis, plus fort parti qui impliqué dans l'élection, il y a temps de récupérer mandat déjà depuis. Avant hier, oui, ben c'est dernier parti hier qui était conseil électoral. Mm-hmm. Et est-ce que l'élection est capable de dérouler ben, légalement si il y a des partis qui n'ont pas gagné des mandataires dans le bureau de vote? Décret électoral la clé sur qui ça pour passer son procès verbal pour le bon. Il y a 14 points qui pour vérifier, parmi lesquels premier point clé pour un procès verbal bon, il faut que même le bureau de vote signe. Et ensuite, qu'on y a pour attester signature dans le bureau de vote, tout témoin qui est présent, qui généralement c'est les mandataires, les observateurs, capables de signer pour faire procès verbal là, une picotion. Mais ce n'est pas en question de si un tel patient n'est pas bon. Principal monde qui peut signer pour le bon, c'est le bureau de vote. Mm-hmm. Et avec CEPA, ou confirmer, Jean Mosler, directeur Mosler Georges Dil, que tout le bagage est prêt pour l'élection 24 là. Techniquement, tout est prêt du côté du conseil électoral. Il y a même pas pour faire politique, il y a pour faire technique, il y a pour faire administration. Techniquement et administrativement, tout est prêt. Dans le moment où on a parlé à la où gagner des missions qui sont tout pays à net, où gagner des opérations de logistique qui démarrent depuis mardi sur tout pays pour approcher les matériels non sensibles et matériels sensibles, mettez au plus près dans le département. Nous avons des missions qui sont faites sur cause de sécurité depuis hier matin. Nous avons des déploiements qui sont faits sur tout le pays à net. Jodi a ou gagné matériel sensible pendant ma parole avec vous là, qui est en mouvement, qui a rapproché vers communio pour nous capables, beaucoup plus près pour nous capables, même commencer à arriver dans le centre de vote à partir de demain. C'est-à-dire tout bagaille technique est prêt et dernière mesure administrative qui est même à fin Paris jodi a autour de midi, une heure. Nous avons gagné un support additionnel que le gouvernement a décidé de mettre à disposition des partis politiques. Chaque salaire à 11 heures, je suppose, parer et récupérer pour les partis politiques à partir de 1 heure, capable de récupérer subventions. Ça, c'est dit, nous-mêmes, penser techniquement, tout est prêt pour le 24. Dans la rencontre nous faisons avec le candidat Jude Célestin, et nous connaissons l'idée pour un candidat faire retrait, il faut notifier CEPA officiellement. Déclaration de la presse, pas pour dire grand chose dans ce sens ça. Est-ce que, dans le candidat David Célestin, est-ce que Vélité a là pour t'avouer correspondant ça et il y a des gens qui estiment qu'il a fait en passé et puis il faut dans la dernière minute? Non, pas vous même pour nous évaluer que le président et le premier ministre l'ont dit l'intervention par eux, parce que nous avons gagné un devoir pour nous respecter ça la loi dit. Qui ça la loi dit? Nous avons deux articles dans le décret électoral là qui sont très spécifiques sur ce point ça. Ou gen 43.1 plus ou gen 99 là. Si me résumé deux articles ça, ou gen une qui dit candidat capable d'exister son droit le gain, mais seulement il est obligé faire dans un délai qui est imparti qui c'est 72 heures après confirmation sous liste candidat. Une fois que délai ça a passé, il pas gen droit pour désister. Peut-être qui ça, c'est pas que il voulait faire pression sur candidat. C'est parce que son opération technique et financière liée. Lorsqu'on dit au candidat, l'État prend au sérieux. Parce qu'au candidat, l'État a des dépenses pour le faire pour vous-même qui candidat. L'État a bon, un moment pour aller réfléchir, pour sûr qu'on veut prendre responsabilité. Hein? Mais si on rend compte qu'on parle, prendre encore, on dit l'État, mon cher, quittez comme ça pour contribuer à ne pas gaspiller. Mais dans la mesure où le délai a passé, le Conseil électoral a enclenché toute reste procédure. Quoi mieux dépenser? Il devient très difficile qu'on y a pour ou faire l'État faire bac ou faire pays à faire bac parce que si on m'a dit faire bac d'abord si n'a mettez son moi en question pécuniaire qui va payer les dépenses qui ont été engagées qui va remplacer le temps qui a été perdu
interdit, sous garde le sous bossa, déjà, ou rend compte que le guetta mène en pile difficulté. Deuxième, nan di ou, si nan mitan deux tours d'élection, ou pas à l'aise, ou sans tout fin faire premier tour, là encore, le bon espace pour réfléchir, ou pas vla aller, ou encore 72 heures à partir de publication, résultat définitif, parce que soit exploiter ça, l'autre article là te dit, c'est à ce moment où confirmer comme candidat sous liste. Deuxième tour là. Si encore pas vle, ou possiblement capable de faire un retrait. Mais comme son processus qui est enclenché et l'État a deux voies émission pour le mener juste dans le bout, dans le moment ça, la loi claire, il y a un candidat qui vient juste après qui a remplacé. Même pas passé dans canouille, il y a deux ça applicable parce que il n'y a pas sous tapis. Très bien. Nous faisons tout là, Georges. Nous sommes capables de prendre pause là, mais avant, on prend une dernière question avec le ministre délégué. Gagné journée jeudi à 8 dans 10 organismes qui habilité à observer élection yo qui décliné parce que on dit condition au pas réuni pour une élection de 24. Moi vais adresser peut-être à nous tous les trois ça qui gagne meilleure réponse à répondre. Est-ce que ça a pas préoccupé nous? Est-ce que ça a pas lancé un mauvais signe pour une journée électorale disorganisée? Oui, peut-être après le président. Président Martelly qui a longtemps pas parlé. Non, mais un problème de temps pour me parler, non. Peut-être que question sur la technique, Fritz qui sous question électorale là, et puis précisément, il y a un avis sous position, 8 organismes. Moi-même, je dis que c'est même genre avec un candidat qui décide de participer ou pas, un organisme qui doit participer ou pas participer. Parce que nous-mêmes, nous avons une position côté que nous engageons des fonds de l'État. Parce que souvent, il n'y a pas de gaspillage. Mais ça, c'est gaspillage. Oui, là, on monte 6 CEP. Chaque fois, on débourse l'argent pour CEP. Et puis, l'élection n'est pas faite. Ou bien encore, chaque fois, on fait une élection, par exemple, il y a des parlementaires qui montent là. Et puis, on a 92 députés qui n'ont pas qu'à travailler. Parce que peut-être que déjà, et nouveau parlement, ça a monté tout. Qui sait, avec une logique pour bloquer, encore une fois. Et pas donc pendant député, il voulait travailler, il a touché déjà, il a eu des privilèges qu'il a vu déjà. Et puis, il n'y a pas qu'à faire. Chaque fois qu'on report une élection, c'est du gaspillage aussi, parce que l'argent qui était déjà déclenché, et puis qu'on a demandé de faire back. Donc, tout le monde a parlé, refaire élection, refaire, reporter, refaire CEP. Mais est-ce que les gens prennent compte combien de cobs qui passaient, combien de cobs qui mal utilisés? On a perdu du temps comme ça. Donc, l'État a une responsabilité. D'ailleurs, nous pas de faire de reporter l'élection, non, quitter au monde à Pompéi en otage. C'est pour ça que je suis entré dans la logique CEP permanent. L'île est pour nous renforcer l'institution. Tout à l'heure, on a parlé de la police. Je suis envie de parler de ça. Et il est vrai que c'est une dérive, mais dans toute institution, on a une dérive. Imaginons que mal visité l'aéroport et au Cap, là, il y a inauguré ça et ça peut pompier. Et puis, on est dans l'aéroport. Et puis nous te mettez dans la barrière solaire, et puis nous avons gardé le volet tout panneau solaire. Donc, on a besoin des dérives. Et qui est responsable des dérives ça? Encore l'État. C'est le problème que nous avons dans la société, le problème que nous avons dans nous-mêmes. C'est ça que fait moi-même, prioriser éducation, formation, pour nous aider à nos capacités, pour y aller travailler, pour y faire business, au lieu que nous quittions tout le monde, à faire magouille, au lieu que tout le monde pense que nous sommes intelligents. Donc, même lorsque nous volons au monde, nous sommes trop intelligents. Tu es intelligent pile, et puis c'est volé. Moi, c'est que j'ai un concept ça. Et pour réponse précise sur la question, ma petite PM, là, ouais, ou ouais. Bien Fritz. Jean te dit, 8 organismes désistés, ou bien déclinés, est-ce que ça n'a pas un mauvais signal pour 24 ans? Bon, une élection n'a pas dû souffrir de l'autre contradiction que compétition qui guide les. Une élection, c'est un bien de compétition. Dans la conquête du pouvoir. Et observation, son élément qui prévoit dans le décret électoral là, qui pour garantir crédibilité élection. L'observation est nécessaire, mais pas obligatoire. C'est comme d'un doigt pour examen non sale, et puis vous mettez un surveillant. Vous mettez un surveillant parce que vous pensez qu'il y a un élève qui souffre coquin. Mais si tout élève prend responsabilité, normalement, vous faites examen, vous ne pas regarder sous l'autre, vous ne pas copier sous l'autre, eh bien, observation, les cas jouent un rôle dans la mesure où il y a un climat de méfiance là. Mais il est clair, nous avons souhaité gagner plus d'implication dans l'élection. Il est clair, pas seulement nous avons souhaité, nous faisons tout ça possible, tout effort. Porte président, bureau dans le palais national, recevoir mon à toute heure, 3 heures du matin, 4 heures du matin, hier soir, avant hier soir, toute la semaine, et avant, parler à tout le monde, pas
pas grand le grand monde qui dit le besoin rencontrer président Matéli sous une solution quelconque, quelle que soit tourner une solution pour le dire pas parler avec vous. Ça va le dire obligé d'accroître tout ça monde proposer parce que justement lors nos négociations faut chaque monde faire un pas. Et moi même ça me remarqué dans la dynamique de négociation dans le pays d'Haïti, monde pas chercher accord, il a cherché capitulation. La différence entre les deux, un accord chaque monde font pas. Capitulation, ou voulez monde qui en face là bon toute bagaille net pour le mettre à genoux dans pio pour le dou pardon papa. Depuis c'est ça qu'on cherche, ou pas besoin d'harmonie, ou pas besoin de compromis, ou pas besoin de consensus là. Nous sommes pour un compromis politique, nous sommes pour le consensus. Pays a pas pour nous, pays a gagné une nécessité pour une stabilité, pour assurer une continuité dans la prospérité des Haïtiens. Hier, ou t'es dans une conférence de presse là, moi soulevons un problème fondamental qui frappe le pays hier. Actuellement, il y a 3 500 000 Haïtiens qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire, qui ont un grand goût. Ou qu'on est que chaque l'aime parler de ça. Bah ouais, il fait cas de ça. Et président, avec moi, c'est la principale préoccupation. Nous obligés quand même de mettre une équipe qui travaille sur ça. Moi, je vais profiter de ça pour me lancer un appel à la raison encore. Nous, tous ces Haïtiens, nous devons vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on aime l'autre. Ça veut dire que nous devons faire même bagaille. Mais ça qui est bon pour le pays, c'est ce qu'on fait. Pays à supposer, et ça qui est bon pour le pays, c'est que l'autorité qui peut aller pour gouverner lieu sorti dans l'élection. Voilà, c'est avec Moussa on a mis en termes dans la première partie. Nous pourrons marquer pause là. Et l'un tourne, nous pourrons aller vers 7 février, hein, notamment avec le président. Mais il y a l'autre dossier toujours pour demain avec invité nous. Nos invités ce matin, le président Joseph-Michel Martelly, le premier ministre Evans Paul et le ministre délégué chargé des questions électorales, Georges Alain et moi. Nous recevons ces trois invités pour vous aider à comprendre mieux ce qui se passe, ce qui se prépare pour le 24 janvier. Restez avec nous, on sera de retour après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci de votre fidélité. Ce matin, Georges Alain et moi, nous recevons pour vous le président de la République, Joseph-Michel Martelly, le premier ministre Evans Paul et le ministre délégué chargé des questions électorales. On a essayé de comprendre pour 24 là, comment ça peut le passer, qu'est-ce qu'a fait justement soit pour 24 là, il réussit ou pour joindre une solution pour ne pas arriver dans le chaos que en pile monde a parlé de lui et qui t'a cap découlé de 24 janvier à Jean-Jean. Avant et nous te prendre pause là, nous t'a parlé de des organismes que CEPA by droit observer et il dit pas prêt aller pour qui ça parce qu'il estime que conditions pas réunies pour élection faite 24 matin puis près de nous gain OCID avec Roland Desroches qui était un membre commission évaluation qui dit d'après constat que il fait environnement pas propice gain trop doute gain trop confusion donc est-ce que tout ça n'a pas touché nous, pas t'as constitué comme un appel pour nous et ministre Jean-François Jean? L'observation avant tout, c'est une action citoyenne. C'est-à-dire l'observation citoyenne n'est pas qu'à politique. Et l'arrivée non qu'à faut côté gain des inquiétudes, des difficultés. Je pense que c'est le moment plus nécessaire pour une observation parce que le tapis important pour aller où ça passe. Parce que qui ça peut arriver? Le 25 a privé quand même. Et le 25, tout le monde va vouloir se positionner sur les élections. Mm-hmm. Et comment on peut parler d'un bagage qu'on ne peut pas faire? C'est-à-dire, pour moi, nous pas peur, dans la mesure où nous connaissons la population à lui-même prix pour le faire, quand le premier ministre se dit, examen sans surveillant, mais nous t'arrêtons tout. Le, on peut pas parler, lui arranger pour le parler en connaissance de cause, parce que seule façon pour qu'on ne passe à Fokout à la donne fort à voilà. Voilà pour la réponse du ministre Jean-Frédéric Jaloux. Alors, on a tourné avec le président. Et moi, je t'ai posé une question ça au bon point. Avant même que vous avez posé une question, je me fond point. Nous voulons résoudre des problèmes qui tout bâti sur du faux. On a posé des questions là depuis peut-être 15 minutes qu'on est. Soit faire élection, tout problème est basé sur son perception qui fausse. Mais, président, justement, pendant Souli, on était Souli, mais d'après le dos que me posait question ça, candidat PHTK Jovenel Moïse, c'était dans Kinam. Et où face là avec auditeur, secteur métropole, yo caméra, où c'est président pays. Depuis l'élection fin faite 25 octobre, Gemoun Gabdi, PHTK, pouvoir, livler, faire fraude pour le bail Jovenel Moïse, pouvoir, je dis à président, pendant regarder caméra, on a regardé manger. L'esprit a conscience là, est-ce que le tranquille, est-ce que journée jodi a jondi là, ça cap di après 25 yo yo pa gen rien de vrai là-dedans yo. Velléité a action tout, yo. Tout c'est menti. Nous connons
qui lèg kon gen volé déjà dans l'élection. Gon élection qui fait on leur côté que on parti te gen 82 députés sur 83 si me pas trompé. Côté que yo te kon gen tout sénateur ou bien c'est deux grands sénateurs pas gen. Actuellement sous 20 sénateurs sous 20 sénateurs qui étaient candidats qui dans l'élection PHTK a gagné 2 jusqu'à présent. OK, sur 92 députés qui dans chambre députée avait dit PHTK a gagné 25 côte voleur. Côte voleur au contraire, moi c'est que nous gagne plus. Me pensais que nous gagne plus que nos victimes. Nous pas dit rien parce que nous pas de vle gain semblait que nous gagne toutes pour pas venir sembler fraude. Même qu'à dire tout, parce que nous t'es là, messieurs. Le 25 octobre, bon élection faite, jusqu'à 6h du soir, tout le monde a crié, belle bagaille. Que ce soit la presse, que ce soit et les observateurs, que ce soit l'État, que ce soit l'Église, que ce soit et les partenaires et nationaux et internationaux, tout le monde a pris les belles bagailles. Qui le bat à la virée? C'est le conseil de monde qui te voulait gagner, réaliser que ont perdu. Ils viennent créer une perception que tout bagaille faux. Yo, mais pas jamais gagné un monde jusqu'à date. Qui boit une preuve. Pas monde qui dit qu'il y a fraude, des fois il pas contesté. Le qu'on y a contesté, il pas venir à preuve. Nous fait une commission d'évaluation qui allait dans centre tabulation, qui choisit au hasard des procès-verbaux, yo dit que c'est erreur, c'est irrégularité. Mais malgré tout, yo voulait virer toute bagaille. C'est une opportunité pour yo faire changement que yo besoin faire pour yo prendre un contrôle. Mais pas oublier qu'au début, il s'agissait de fraude. On va parler de fraude. Il y a des gens qui disent que tout va bien, c'est qu'on est clair pour que ça nous pas juste admettre que une commission qui allait en profondeur, qui vraiment tournait dans le centre d'habitation pour aller regarder ce qui passait. Parce que c'est une recommandation aux commissions qui était montée. Oui, ça va, j'aime faire. Techniquement, on va parler de centre d'habitation, mais un, si vous avez un dossier qui dit que vous avez un problème, venez avec elle. Nous allons regarder. Mais là, il y a une ambulance pour te. Pour se faire beau. Ou bien, il y a un centre de tabulation, ou bien il y a fait bulletin de mais combien de temps ça pour un téléphone, un iPhone, ou bien un téléphone avec photo? Tout ambulance qui a beauté une, pas grand monde. Alors, on bagaille la police là, qui fait en dedans, en mi-temps la police, il y a la police qui filme pour venir la gueule. Peut-être pour faire du tort à la police, ou bien encore pour montrer et des éléments dans la police là, qui a fait des bails qui passent. Et pour avoir une population à travers le pays, nous, sous 10 départements, il y a une faute qui a fait une élection générale, et puis pour personne n'a pas une photo, pour personne n'a pas un document, mon cher, quand même. Alors, Président, on quitte Foyo, on nous venir sur ça concret, ça réel, ça vrai. Ça concret, ça réel, c'est qu'il y a un problème de société. Il y a une crise tout partout. Il y a une crise institutionnelle. Mais ça qui passe dans la police, c'est un problème. Le problème qui ça? Il y a des gens qui ont réglé l'affaire par eux, mais il y a des gens qui ne contrôlent pas l'émotion. La crise institutionnelle, il y a dans l'Église, il y a dans l'État, il y a dans la presse. C'est nous avons un problème de société. Vous dites, nous avons détruit l'autre. Vous dites, diffamation. Je salue Métropole. Je salue Métropole qui te vous kembe en ligne. Mais moi-même, j'ai des radios. Pas plus tard que hier matin, le ministre aux élections a fait mon rapport. Que le ténor radio se, la parole au monde, mon dit, mais qui j'aime pour faire dialogue à président Matéli, son équipe doit jouer le monde, dit bêtises. Mais en fonction de qui ça dit ça? En fonction de qui ça? M'kage un jambe balé, mais dialogue fait, pas de monde qui dialogue pas ça. Parce que tout gouvernement, toute décision importante qui prend, c'est en fonction de rencontre que je fais à monde, en fonction de dialogue que je fais, tout backup fait. Dans faire élection là, c'est en fonction de dialogue. Donc en Haïti, nous venons développer l'esprit de yon krasé l'autre, yon monter sous l'autre pour arriver. Si ou, même si c'est voleur, ou dit ou intelligent, et il est vrai que nous n'y a même pas de corruption. Mais il est tout de côté. Il y a toute forme de corruption. Le par exemple des radios, à parler au monde mal, et puis l'idée, c'est pour venir payer pour parler au mal. Son forme de corruption. C'est du kidnapping, c'est prendre une société en otage. Nous avons des problèmes profonds. Maintenant, président Jovenel Moïse, c'est candidat à PHTK. En tant que garant de bonne marche institution, président Goye, pas peut-être membre de PHTK, mais président, est-ce qu'on pense à l'élection dimanche la cafette, si vraiment Jude Célestin campé sous position là, ça qui est presque sûr parce que nous avons 3 jours, avec Jovenel Moïse comme candidat seulement. Là, président. Faut me dire que CEPA, c'est lui qui fait l'élection. L'État mettait moyens à disposition de CEPA. Il est vrai que moi-même, comme président, je suis garant de la bonne marche de l'institution. Donc, on voulait que l'institution soit performante et que vous fassiez travailler là bien.
C'est ça qui fait m'impliquer. C'est ça qui fait m'pas besoin de venir là parce que moi m'pas on est capable parler n'importe qui ça dans télévision bien dans radio, n'a que conduire c'est homme d'état et puis a livré toute bagarre l'état dans radio télévision, mais moi-même moi assuré que me faire des rencontres et que le temps minuit que le temps 1 heure avec tout le monde qui concerné et ceci à tous les niveaux. M'a bien incité non. M'impliquer pour voir si m'ca faire processus là avancer. Et PM n'a signalé d'ailleurs, mais vous dire pendant n'a dit dimanche 24 là. Nous kembe dimanche 24 là, les dispositions sont prises, mais si gon bonne foi, si gon bonne volonté de tout le monde pour y porter une solution à la table, nous t'a déjà renvoyé, nous renvoyé le 27, nous t'a fini le 17, nous renvoyé le 27 décembre. Donc c'est comparé qui vient qui pi bon que 24 là, nous attention, attention, attention. Chaque fois que nous arrivons côté que nous fait des pas en avant, c'est moins bac qu'au café. Parce que pas plus tard que hier, dans la réunion nous fait, nous avons fait connaître que le dernier déploiement, nous fait déploiement physique. Nous avons dit que ça a tourné pour après ça. Sélection envoyée. Mais le déploiement, une fois le fait, par exemple, que le bulletin, par exemple, t'a quitté côté le cachet pour commencer à rentrer en série de côté, ou pas même qu'à rapatrier, c'est neuf pour le faire. Neuf l'avait dit, ou qu'à besoin, je ne sais pas des millions encore, rien que pour le bulletin. Est-ce que l'État haïtien, est-ce que nous-mêmes, comme nous responsables, nous avons tout le temps à faire bac pendant que nous avons un problème grand que nous avons abordé, nous avons un problème de travail que nous avons abordé, nous avons un jeunesse qui a sorti dans l'université, par contre, qui veut pour le faire, nous avons besoin de cadrer. Et puis pour tout comme là, l'élection, ça a coûté nous près de 100 millions de dollars. Qu'on nous voyons dans l'air. Un pays qui n'a pas gagné l'argent pour la pour y a de côté, et nous avons un problème de manger. Une bonne nouvelle qui vient, qui dit manger graine palmis. Et puis qu'on y a pour dire qu'on prend 100 millions de dollars de l'élection parce que des gens qui ont joué, qui ont viré autour du pot, et puis qu'on y a comme responsable, on prend le dire nous et renvoyer, c'est pas grave, renvoyer. Mot facile, mais réalité, réalité. Les gens qui déplacent, qu'on y a un bulletin qui prend l'aller, on sait de matériel qu'on pas qu'à rapatrier, on prend prendre à la légère comme ça. Donc, bon point de non-retour. Ça veut dire que nous faisons tout ça, nous sommes capables de faire. PM Nassou dit, nous finissons à 5h du matin, fin de travail, à 9h du matin, nous-mêmes nous obligés à aller dans le Caribéen pour aller dans le sommet AEC. Mais c'est à 5h du matin d'entrer. L'autre monde qui peut apparaître dans le rendez-vous, il y a des gens qui peuvent nous rendez-vous à 5h du matin. N'allez. PM n'allez. Le livre, il y a dit bon, barrière débloqué, le pas de cas sauté. Il y a des gens qui rendez-vous. Les acteurs très impliqués. Alors, président, nous avons fini la question maintenant. Nous quittons faux, nous avons dans vrai. À plusieurs reprises au deal, le 7 février, ou pralé. Il y a des gens qui sont impatients pour retourner dans la musique. Ce n'est pas là la question aujourd'hui. Un chef d'État, ou qu'on est le mieux passé, réfléchit dans l'immédiat et de manière prospective tout. Est-ce que président Martelly dit tête, les vu ça qui a passé aujourd'hui là, dans quelles conditions, on va quitter le pouvoir là, on l'autre président, qu'il soit Jovenel Moïse, Jude Célestin. On nous dit plutôt Jovenel Moïse parce que dans le résultat définitif, il est devant. On nous quimbe devant, sans nous pas faire pronostic. Jovenel Moïse est élu président. Est-ce que le président Martelly pas senti lourd héritage l'a quitté par Jovenel Moïse avec toute quantité d'opposition? Ça, parce que nous parlons d'opposition plurielle. On mettez Jovenel devant, pas mettez Jovenel devant. Parce que tu as des gens qui étaient devant le président Martelly, il était en campagne. Et puis, c'est ma dit, gain. Et je voulais noter pour vous que Jude Célestin, c'est un mime, les plus un mime que Jovenel Moïse. Cependant, Jovenel Moïse est candidat parti qui est affilié à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que nous choisissons candidat par nous, mais nous ne pouvons pas faire fraude contre personne. Quand il y a un lieu qui a privé, 7 février, a privé, premièrement, c'est à moi qui décide le 7 février. Tout le monde connaît. C'est vrai que le mandat en président doit 5 ans. Mais c'est vrai tout que je demandé pour 5 ans ça a commencé et fini le 7 février. L'homme dit que je voulais aller. Ce n'est pas parce que je voulais aller dans la musique, je ne connais pas tourner dans la musique. Je n'ai pas d'intention de tourner dans la musique. Je dis que je voulais le 7 février pour me remettre le pays à sous rail. Donc c'est bonne volonté que je veux. Je dis, quel que soit le monde qui candidat, ou dit Jovenel ou Jude, quel que soit le monde qui gagne, c'est lui qui voulait passer ma tête là-bas le 7 février. Qui j'en m'appelle? Deux gens. Élection le 24, Abgon élu, Mkaye le 7 février. Et puis, élu a prend la relève.
ou bien encore, si tu as un bagage qui est tombé à travers le dialogue, le consensus, là, nous avons mis des bagages ensemble sur la table et nous avons un accord. Côté que le T7, que le T8, que le T9, que nous avons obligé jusqu'à 10, si nous avons retard, il y a des concessions nous avons fait. Parce que le bagage est important. Mais le par exemple, vous voulez me carrément mauvaise foi, parce que, excusez-moi, il y a deux réunions à l'étape de l'Imoune de Balvini, il y a deux fois tout. C'est répondre ou pas répondre du tout. Donc, face à une certaine mauvaise foi, on va demander que nous-mêmes, nous inconscients, on va demander que nous-mêmes, nous indécis, nous c'est l'État. D'ailleurs, nous devons dire qu'un seul monde a fait tout ton pays marcher. Parce que, attention, ce n'est pas un monde que nous pas occupé. Son monde que nous invité à plusieurs reprises, son monde que même commission d'évaluation ça que l'y formé a. Alors que le demandé. Ah, excusez-moi, l'y formé. Parce que m'gain droit dit que le nous-même nous t'es formé, il y a deux membres, une là dans relé compé philo, l'autre là relé Mano Chalma, yo dit pas de blèl. Donc pour yo t'es venu accepter pour ça ne vienne faire après ça, ça veut dire que j'ai donné, yo validé. Donc yo formé. D'ailleurs, m'a salué Compé Philo et Mano Chalmay, qui ont fait passer comme deux mouns qui pas sérieux. Deux mouns que nous comptons dans le pays, qui n'ont pas jamais accusé de un rien que pas ça. Et puis voilà que nous avons commission, et puis ils mettent dehors. Et ça arrivait trois souvent. Donc, président Matéril, qui l'a matin, dit nous que si vous avez une proposition correcte qui vient sous table là. Chaque minute qui passait. Oui, mais on a parlé d'après 7 février. Donc, c'est pas tant qu'on a dit, n'importe qui, ça y est, 7 février. Ou la Gekléa, non, ou de... prêt pour accorder en sursis si vous avez une position clé sur table. Non. Dans la route que nous y a là, élection, 24 janvier, CEP a confirmé que nous avons un président élu connu d'ici le 30 au 31 janvier, ou un président élu, même s'il y a une contestation. Pas de 30 candidats, c'est un candidat qui a contesté l'autre. Donc, il a fait non délai. Ça y a fait, y a diminué le délai, en sorte que le 7 février, président élu a capreté ses mains. Ça veut dire si l'élection fait 24, mais non, éventuellement, que nous allons arriver ici 24 là. Ça ne va pas prendre décision pour contre moi. Non, c'est samedi. Donc, si vous une proposition claire sur le tableau ou prêt pour bailler quelques jours encore après 7 février. On a essayé depuis avant le 27 décembre. C'est ça qui te permet que nous te renvoyer le 27 décembre. Jodia, où est-ce que tu es noyé? Et je ne pas dire que nous avançons en pile parce que je ne peux pas dire que nous mauvaise foi. Chaque fois que nous venons au point, nous venons à un autre point. Nous avons l'impression que l'idée c'est d'arriver au 7 février pour que nous avons une situation confuse pour ne pas qu'on s'en a fait à payer. Je dis, l'État, même si nous avons dit bon, le 24 là, on nous regarde. Mais pour nous regarder, il faut que. Si je saute sous ça, il faut me dire que je saute ça. Si le président me dit la population, nous va faire le 24 encore. Et puis, ou même comme vous allez se dire, qui est-ce que nous allons faire? Mais si une proposition vient, il m'a dit pour aller dans le temps électoral. Là. C'est-à-dire, le 14 mai, est-ce qu'on est prêt pour accueillir s'il bien une proposition qui est bien élaborée, qui dit, mais qui est l'élection à faire, mais pour qui ça ne va pas le 24 là, etc. Donc, est-ce qu'on est prêt pour bailler payer quelques jours encore? Bon, excusez-moi. Je ne vais même pas parler de ça. Parce que pendant que je dis ça, je n'ai même pas proposé ça, il y a des points auxquels nous pas agréé, nous pas d'accord avec eux. Donc, son discussion pour ta fête sur table, c'est ça que je dis. Je vous dis, après pratiquement deux semaines, trois semaines du 7 février, tant pour faire discussion, par contre, qu'on peut aller, ou j'ai l'impression que la chose la plus sûre, c'est pour faire ce qu'on est. C'est pour faire une élection 24. On va faire 24. Et attention, jusqu'à présent, vu que Céleste n'a pas désisté. Quelle position, président, face à mon transition? Ma préférence de m'inviter, oui, mais on garde ça rapidement. On a essayé de renforcer l'institution, on a essayé de mettre en stabilité parce que les partenaires sont clairs. Ils ne peuvent pas reconnaître un gouvernement de transition, ça veut dire que nous, nous-mêmes haïtiens, mais l'égal, l'équivalent à un embargo. Parce que d'après, et ça m'entendait moi-même, de la part de paysans, investisseurs, plus favorables, à stabilité, coopération, collaboration paysan mio, c'est avec gouvernement élu. Moun kap fait transition yo, pa gen légitimité, yo pa voté. Et vous dis, moun kan vi al nan transition yo, c'est des moun justement qui besoin pouvoir, mais qui pa ka gen nan élection. M'pa ta suppose faire particularité, mais on prend Géo, que le DG30, que le DG8. Et puis, regardez combien de points vous faites. Ça t'a quand même mené mandat au président.
pendant parler de partenariat en Haïti, si il y a des amis d'Haïti, des partenaires qui t'a mandé ou font sacrifice après 7 février, si yo ta wè gen possibilité pour que nous arrivions à une issue dans crise là. M'pa quoi que son ami d'Haïti qui pral dit président d'Haïti a fond bay pour Haïti. M'pa quoi que président te kawel pour contre lui. Ou bien encore, parce que entre Haïtien te kachita pour nous joindre une solution. Pour que ça pour même évoquer que son ami d'Haïti a, ça t'a montré, mais pas faiblesse nous, mais absence nous, ou bien et inefficacité non comme si nous pas rien. Il y a plein de monde qui pensait que tout ça qu'a fait c'est à partir de support ou bien amitié avec international. Monsieur Younara président des fois d'ailleurs mais qui j'aime bien l'homme dit oui l'homme dit non c'est non. Cependant si me dit ou non et au cours des arguments qui plus bon que pas mieux ou fait moins clair ou fait moins que position n'a pas de bon. M'a changé position. Je te vous dis, il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Moi, je suis d'accord pour me changer. Même dans la décision que je prends pile fois pour l'État avancer, en pile fois, je me fais bac. Mais ce n'est pas bac que je me fais vraiment. Je me fais retrait pour me permettre à Haïti d'avancer. Je me fais retrait sous décision, mais c'est pour me avancer que je me fais retrait. Alors, président, nous avons fait avec le président. Pendant toutes 5 ans, l'opposition a été constituée en épinon piquant en bas plus haut. Et c'est ça que tu mènes en parlant fois de. En opposition structurée, c'est ça au tarimain nous gagnons. Je dis à là, moi tourner sous même question me déposer à avec Jovenel Moïse président et opposition qui campait Jean Le Campéa. Vous parlez de perception, mais l'on a persisté dans la perception pour le vin en vérité. Pour l'opposition, t'es gain fraude, son vérité pour lui. Il pas vérité. Permettre même bloqué. Permettre même bloqué. De l'école lui dit quand l'hypothèse est fausse, la conclusion est fausse. Ça veut dire que en partant, debout d'accord que le faux. Il n'y a pas de vérité. Oui, mais dans la tête, non, il y a le vrai président. Moun a battu un caillou sur du faux. Et mais voilà. Vérité, oui, mais. Ou vin quoi la donne, mais il était faux. Je suis d'accord. Il a pris des décisions à partir de lui parce qu'on pensait le vrai, mais il était faux. Ou il était faux. Mais décision n'a pas de conséquences quand même. Voilà. Oui, il était faux, mais pour lui le vrai. Oui. Et ça, pour admettre là. Pour lui le vrai. Pour l'opposition, t'es une fraude et pour lui le vrai. Excusez-moi la question. Excusez-moi. Ou pas quand même là. Non, pas même là. Non, c'est pour l'opposition. Bon, non, pour l'opposition. Pas pour vous. D'ailleurs, pour l'opposition. D'ailleurs, en Haïti, et peut-être tout côté d'où et perception vaut réalité. Bon, moi-même, vaut, appelez d'une différence. Vaut, mais perception pas vraie. Pas vrai. Oui. Pas vrai. Mais pour l'opposition, tellement vrai que nous, manifestation, pour une tournure violente, c'est-à-dire, yo tellement quoi dans ce qu'il a. Donc, réalité à là. Réalité à là. Est-ce que le président Martelly... Là encore, je ne suis pas d'accord avec ça, pas avancé. Manifestation pas pour un tournoi violent, manifestation li violente, li abus violent. Qui ça voulait faire? Vous voulez faire mon peur. Vous voulez faire mon et pas prendre la rue, vous voulez faire mon pas voter, vous voulez faire mon faire back sous des décisions, donc vous décidez violent. Parce que bon, nous avons bagay. Et l'on voulait faire mon quoi dans ce qu'on va dire avec argument. Moi, j'ai besoin de dire que tu as une faute dans l'élection, je vais venir avec preuve. Ouais mais l'autre dit que gain food et pour tellement dit et puis moun vinn quoi c'est parce que moun kap tande ali mli déjà pas de quoi dans rien donc il choisit quoi dans ça tande plus c'est ça le mal du pays et justement mais voilà c'est ça qui va nous conséquence qu'a découler de ça là c'est le problème que nous gain dans la presse là je veux dire me penser permettre moi dire ça me penser que la presse là pas fait travailler du tout parce que c'est menti seulement l'autre jour gon nouvelle qui parti que gain problème à cap plume moi gain aussi bonne relation avec Caplume que m'te gagné à Laurent Lamotte. L'autre jour m'entendais que madame m'a gagné contact avec Caplume. Qui bon. Mon Dieu dit n'importe qui ça. Alors est-ce que c'est la presse là qui va mentir ou bien mon qui a parlé dans la presse la président. Bon mon petit bail, si m'a tombé loin sous la presse là dit que ça qui dit dans la presse là est responsable. Ça qui dit dans la presse là est responsable. Fini la question. Entité est responsable. Donc ça veut dire que normalement un chef d'équipe comme ça, dans la radio, dans la télévision, tu as supposé assurer que le monde qui a parlé dans la radio n'a pas dit n'importe qui ça. Parce que nous sommes directeurs d'opinion, nous avons fait payer Alvon en catastrophe, ou bien encore nous avons mené sur la voie du salut. Donc nous avons intérêt pour bien-être de la population, non? Pour bien-être de la communauté, non? Pour nous dire aux gens, parce que le gain qui pour dire, pour nous rectifier, pour ne pas faire, il faut dire, nous ne comptons que. Il y a parlé de gaspillage tout le temps dans l'État. Qui est-ce qui a une preuve? Qui est-ce qui. Bon, il y aurait les comptables publics dans l'État. Un ministre qui a besoin d'acheter une boîte fable, il va acheter l'autre. Si le comptable n'a pas signé.
Donc corruption, pour une corruption, faut ministre là, réussir gain comptable public li avèl, directeur qui peut dans magouille avèl et moi-même dans chaque conseil des ministres, moi c'est gros problème qui gagne entre un ministre et comptable public parce que c'est comme si m'dado yo met au monde pour veiller et puis son problème lié parce que ça vient empêcher machine, il vient faire machine en pilou, nous pas qu'à avancer avec nos projets. Donc et puis pendant ce temps n'a dit n'importe qui ça fuck, il faut arrêter ça parce que c'est des fois vérité covine quoi qui bâtit sur le foie. C'est à partir de mensonges ça que heureusement tout que le pays a des possibilités pour les gens qui sont victimes, les gens qui diffament, par exemple, pour porter plainte et faire des suites sur les gens qui ont fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que même quand on fait plainte, on a la crise institutionnelle, on a la faiblesse des institutions. Et encore, quand on parle de faiblesse institution, même au niveau de la justice, ça peut arriver que les vol et qu'ils arrêté, volé à la guerre, les innocents qui ont mal arrêté, innocents fait 20 ans de prison. De la nécessité pour qu'ils renforcent le système. Voilà. Premier ministre François Paul, en nous et font y parler. Tout le monde qui a commencé militant, d'ailleurs, quoi y a la photo qui a circulé sur Internet, l'ancien Evans Paul tête cassée avec Evans Paul Jodia. Donc, quelque part, militant, il est là, Jodia, ou c'est Premier ministre, mais ou quand même rété dans la tête tout le monde qui a été mené en pilote pour le pays. Ou t'es dans l'opposition pendant longtemps, Jodia a regardé l'opposition ça devant. Je ne vais pas faire détachement entre Premier ministre avec militant, mais mon ouïa, comment regarder l'opposition Jodia? Qui regarde l'opposition? On fait référence à prisonnier de la Toussaint. Je profite de saluer Patrick Bouchard qui mourit. Il n'est pas un autre monde, mais il était un autre monde qui était dans le même moment, tombé dans la prison, dans la situation. Le monde qui est plus grand, monde passé, nous te connaît. Ça s'est passé en 1989. Peut-être président de trois monde, vous le dites. Non, pas. Je suis intéressé dans la politique, même de la politique. Alors, où est-ce que ça a fait dans la métropole matin? C'est un gros géfroli. Et heureusement, nous avons un président qui parlait avec elle, qui parlait avec. Spontanéité et c'est tempérament lié, c'est dit ça le penser et dans ça le penser il y a un bagage qui est toujours dominant, c'est remettre pour Haïti qui expliquait engagement pour le servir comme président. Là un gouvernement a facilité l'organisation de l'élection, il est fait pour le situer dans deux contextes footballistiques, France 98, Brésil 2014. France 98, Coupe du Monde l'en fait en France, sans magouille, la France champion. Le gouvernement français fait deux cabesses. Ils organisent une belle Coupe du Monde, équipe nationale des champions. France 2014, Brésil perdu. Le gouvernement réalisé Coupe du Monde là, mais il perd du Coupe là. C'est dans l'état d'esprit ça, nous venons au gouvernement. Monsieur Moïse fait partie de sa partie politique pouvoir. Parti politique président. Mais moi-même, je n'ai aucune mission, je ne recevoir aucune consigne, aucun ordre, aucune pression pour me faire rien qui pour pencher l'élection en bas. Jusqu'au côté de Chita, je vais mettre un défi pour montrer on magouille nous fait, on corbe nous en bachal, on a une mission, on a ministre, on a conseiller, on a conseiller président, parce que chaque fois dit faut de là, ça veut dire qu'on a une action caractérisée en faveur du monde. Nous avons un problème. Il faut admettre les gens. Et moi, j'ai demandé à l'université, à un sociologue, pour analyser ce qui se passe. Nous avons une bande de jeunes qui font études classiques. Mais, lorsqu'on a des procès verbales, les gens ont été rédigés, il y a un problème. C'est ça, l'irrégularité. Il faut là, c'est si vous avez découvert un bon côté, une mission, un monde qui a fait action. Le premier ministre est derrière, le président est derrière, le ministre est derrière lui. Pour faire un bagage en faveur d'un candidat. Pas de bagage comme ça, mes amis. Pas de ça. Et bien content, tout le monde qui a fait rapport, pour que j'aime qu'il vienne à un fait de ce genre. Nous connaissons avec toute facilité, communication, réseaux sociaux, l'étape dehors. Alors, on admet que nous avons un problème en tant que société, président Soudil. Nous allons battre l'estomac, nous allons dire nous, puis bon. Problème traversé tout côté. Mais je dis, jusqu'à maintenant, il y a une volonté de jouer une solution de compromis. Mais plus le temps a avancé, plus les minutes a passé, plus les difficultés, la présidence a dit. C'est un appel là pour me lancer encore. Même un appel hier, pour tout le monde comprendre, tout le monde qui a fait effort et profiter de saluer le monde dans la société civile là, qui n'a même pas aucun intérêt politique, qui a été un violent, nuit, qui a travaillé, etc. Le pays a besoin d'une meilleure image. Une image d'élection compétitive, une image d'élection acceptable, une image tout de respect de la volonté exprimée par la majorité du peuple haïtien.
Alors, président Michel Martelly, je reviens à ma question. Moi, je suis plus que des sous-élections. Moi, mes élections sont en crise momentanée. Je suis toujours tourné dans la mesure que nous ne renforçons pas l'institution. Moi-même, je l'ai dit que l'île temps. Pour un, pour nous suspendre, détruire une autre. M'a fait première fois m'a fait allusion à ça parce que bon m'a regardé mon petit garçon qui finit faire 4 ans collège monsieur a fait licence lui papa le président il a venu d'Haïti m'a rendu qui boyo était puis tombé parler sous lui dit n'importe qui ça que le volait que madame moi volait mais bon mon preuve là mais un problème d'ailleurs m'a jamais fâché et heureusement que là quand là nous vivons dans un foyer côté que tellement gain l'amour ça va affecter petite garçon ça va affecter madame mais ce sont des frappes que un jeune de garçon Olivier de Olivier ce sont des frappes que un jeune garçon 27 ans prend c'est pas problème mais qui j'en fait même monde ça yo qui toujours gain force pour parler à et puis l'autre du bal font petit carnaval sous yo et puis yo gain réunir toute la presse connait pour yo dit que son bagage qui pas sérieux m'a fait au problème comme ça me dit. Et surtout artistes, parce que ce sont artistes que mieux, artistes gain droit utiliser un meringue pour faire des satires, des comédies que moun pral ri. Mais là, ou même ou gain tellement fâché, ou fait réunion, ou sorti communiquer tellement son monde sérieux. Et puis voilà que ou permettre comme maman ou même qu'a plein pour oui, ou permettre comme maman que pour un petit jeune 27 ans que tu as essayé de détruire. C'est pas de grand papa à maman. C'est pas de grand papa à maman qui te remède qui t'a protégé. Il était qu'à prendre coup. Pour que ça pour me faire une belle caille dans la mer, pour se voler, me voler. Pour que ça parle ni banque, de comment me prêter. Pour que ça ouvre, pour se voler, me voler. Nous ne voulons pas que nous une belle bagaille dans le pays. Donc c'est pour tout le monde. Ça t'est arrivé déjà. Il a été dit que mon nom, et l'eau va prendre le monde soleil. Même plus de mon nom soleil, qu'on jouissance mon nom de l'eau. Ça veut dire que pour toute population, font effort. Moi-même, pas la moune, j'aime penser. Il parle de 6 millions, président, pour qu'il s'en parle à la. Bon, c'est de 6 millions, 6 millions, je suis dans le poche, je ne pas ça. Donc, ce n'est pas l'argent pays, il y a. Il va 6 millions. Il va 6 millions, mais c'est de 6 millions, il saute dans le poche, je ne pas ça. Hein, Luc Neyer, je ne pas ça. Donc, comme qui fait là, c'est dans le poche, ce n'est pas dans la caisse l'État. Regardez pour c'est pas chita. Qui bon monde regarde, président? Qui bon monde regarde? Est-ce que c'est vrai, président, il faut un prêt pour tel bagage, pour qu'on connaît. Donc, vous prêtez quoi pour qu'il s'en parle? Normalement, je. Que ma paix. Et puis, attention. Et puis c'est pas le déchou qui peut voler, c'est avec mosaïque, il va mettre la caillou, et après ça, il fait un bail pour des charbon, pour la gonave. Et puis c'est comme ça, il fait tout le monde. Et puis en fin de compte, l'on regarde bien Haïti, il va gagner belle. Parce que l'on va être belle, puisque c'est pas le gagner, il faut écraser. Alors, président, on nous tourne sous l'élection avec. Est-ce qu'on a le sentiment que Jean Condition est là, M'pesé moi, Jean Condition est là? Si Jovenel Moïse, président, est-ce que nous ne sommes pas partis pour 5 ans de gaspiller? Côté qu'on pourrait jouer une opposition qui a constitué, on épine en papier. Là encore, c'est une question qui t'a sorti peut-être de un monde qui voulait, il y a deux choix, soit vous voulez évaluer la question, soit vous voulez pessimiste. Même vous voulez évaluer. Si c'est évaluer, je me dis qu'il reviendra à Jovenel Moïse peut-être de rassurer tout le monde. Puisque il y a des gens qui n'ont pas content de jambaye à la partie, à Jovenel pourra, dès le début de ça, dès le commencement et présidence lien, mettre tout le monde chita, rassurer tout le monde, faire des ouvertures. Même Jean-René Préval te fait en 2006, côté que le rassuré, il était ouvert et à différents partis politiques, puis entrer dans le processus là, avant un dialogue, puis participer dans le gouvernement, puis travailler pour rassurer tout le monde. Nous parlons tant pis le temps. Entre votre nom, top non, non, monsieur, attention. Je vous dis que je suis un nègre qui est dictateur, m'a pas été. Nous connaissons des sujets pour nous toucher. Nous avons fait même élection. Nous fermons l'élection. Mais d'abord, au moment des ministres, Fritz Jean-Louis, 9 août passé, il y a eu une erreur. Madame qui n'est pas disponible, etc. Nous disons que nous des corrections pour 25. 25 passés, il y a des gens qui étaient d'accord, des corrections qui étaient portées. Mais dans l'autre bord, il y a 3 mandats dans la rue, mandat 20 PHT, café, fraude avec mandat, etc. Bref, pour 24 janvier, c'est arrivé fait. Est-ce qu'on gagne des bagages concrets qui corrigent et qui fait que nous n'avons pas tourné la même erreur que nous avons reproché? Pas plus mandataire voilà. Qui votait que électeur. Je ne sais pas que Pifo Moun, qui a parlé de l'élection en 2016, là, fait comme erreur. Il n'y a pas lu le décret électoral. Il n'y a pas appris sa élection 2016. Là. À chaque fois que nous faisons des référents, c'est des référents qui menaient en 2010, qui aujourd'hui a. Pas d'application dans l'élection 2016. Là. Où pour un problème, mandataire, au premier tour, Premier ministre, là, moi-même, sous
pouvait président République là, avant même d'entrer dans le processus électoral ça, nous t'ai tiré la sonnette d'alarme pour nous dire attention, trop partis politiques, trop candidats, li pral mener nous vers des difficultés toutes les fois que nous obligés respecter sa décret électoral l'a dit. Mais je dis à personne pas songer ça. Le nous rentrer dans 9 août pour respecter le décret électoral là, nous commencer CEPA à bail mandat. Moi-même moi était le 7 août le moins apprendre que grande difficulté CEPA pas ca bail tout mandat. Mais pas ca bail tout mandat, tu étais sur 450 000 mandats. Ça a fait tollé, ils font crise, élection manquée gâtée parce que pas gain mandat. Gros disposition prend, nous arranger commande faite à l'extérieur, mandat vini tout préparé, non parti politique, c'est dit bien emballé, il y a le joindre spécifiquement parti politique là. Déjà là, son élément pour moi qui t'a supposé gênant pour un parti politique pas gain niveau et sans responsabilité assez pour les outils aussi importants qui sont dans le dépôt de la CAELI, pour ne pas peur, pas craindre, ni pas être devant la société, pour le dire qu'il y a une faute, une magouille, ça veut dire la tire attention sur la propre tête, comme irresponsable et comme monde qui participe dans la magouille ou dans le vol de mandat. Mais là encore, comme nous ne sommes pas responsables, il faut toujours que l'autre monde qui porte le chapeau, une fois de plus, le gouvernement est responsable parce que nous avons résolu le problème de la faute, nous avons trop de mandat. Mais je dis, lors de la dernière tour élection, si tout le monde a pris 100 euros, a analysé les documents, a été lu le décret électoral, a été gardé par le cours, il a appris que par exemple, il y a pour gagner plus que 30 à 40 000, moi, comme son monde qui aime exagérer, les maps fait chiffre, ou pas foutu 50 000 mandataires. Je dis à l'élection Kabila. Ça veut dire qu'on a fait pour tout président, tout reste collectivité à réunir, parce que qui est bon mandat, c'est volume candidat, hein? Et volume représentation parti politique. Très bien. Ça veut dire, je dis, le problème ça n'a pas posé parce qu'on a pris aller dans l'élection là autour de 39 000, pas son chiffre exact là. Mais en même temps, on a d'autres dispositions. On a d'autres dispositions qui prend. Côté que ces débats qui étaient sous table là déjà. Hein. Élément de solution, le problème qui gagne à chaque fois posé, dans la mesure où il dérange acteur qu'en face là, il n'est pas accepté. Mais quand le problème tourne, malgré l'élément de solution qui est proposé à éviter le problème, il est facile pour même acteur ça pour retourner le bon responsabilité. Par exemple, dans l'affaire mandataire ça même, une des solutions qui a été sur la table, c'était un, fonds assignation électronique des mandataires, ça veut dire monter ce système, prendre mon tout mettre non, mais qui veut le voter, mais numéro 4 électoral, il y a déjà contre le mandataire pour le voter. Mais comme tout le monde qui a fait par eux besoin de régler. Deuxièmement, c'est la veille. Généralement, le parti politique a tombé sur le monde pour le voir faire mandat, quelqu'un bon mandat pour lui. Par un monde qui n'a pas réussi. Ça veut dire, je dis, il faut que nous apprenions plus responsables pour nous capables de prendre responsabilité nous le moment arrivé pour nous. Et moi-même, moi pense tout, solidarité, ça a fait dans le mal là. En tourne dans 16 ans, 7 jours d'habito, en fait l'union, fait la force, pour faire bon bagage, mais en suspend, c'est le bagage là, pas bon seulement, que nous mettons tête nous ensemble. Alors, on nous fait transition hein, rapidement avec le Premier ministre Evans Paul. N'a pas parlé d'élection, n'a pas parlé du gouvernement de l'administration Martelly. Je dis à la perception, hein, le mot revient, président, perception en bail que le gouvernement est en mode pause. En pile, monde pensait que pas grand rien qui a marché. On parlait de économie. Sur le plan économique, qui grande action dans le moment où on a parlé là? Le gouvernement a posé parce que nous avons une gourde qui a chuté, un dollar qui a monté. Et toute croissance là qui est très bas. Qui est très bas. Anissa, allez-y, président. Non, mais pas de dédouaner le Premier ministre. Non? Mais il faut me dire que le Premier ministre est rentré dans un gouvernement de consensus, côté qui était ballon mission, il est rentré en janvier. Pour le concentrer sur l'élection. Faut nous que nous-mêmes, bien avant que le Premier ministre là entre, nous avons pris des dispositions pour que économiquement et Haïti levé, nous avons réalisé que pour nous faire économie simple, parce que les gens qui ont étudié l'économie qui ont un gros chiffre, ben là simple. Tout soit consommé, besoin de dollars pour acheter. Ou pas faire dollars. Donc, vous avez besoin de moyens pour gagner un dollar. Qui moyen?
produit pour produit. Pour produit, pour dollars qui rentrent dans le pays. Il n'y a pas aucune autre magie. C'est dans ce sens ça que nous avons soutenu des programmes, par exemple, tant que programme Jovenel Moïse, là, c'est là que nous rencontrons Jovenel. Un programme côté que, à travers les gens qui ont planté, les gens qui ont touché, en dans l'économie, on a fait 150 millions de dollars entrer chaque année. Des programmes tant que l'ANACAF, le ministère des Commerce, côté que nous prenons 300 millions de gouttes pour nous renforcer petites et moyennes entreprises. Malheureux, Alcal prêter l'argent pour faire business, que c'est marchand fresco, que c'est marchand douce macos, que c'est monde qui vend cigarettes. Nous avons des projets comme ça. Parallèlement, nous renforcer formation professionnelle. Tout bagaille intégré, tout bagaille intégré. Nous décidons tout que nous avons fait un gros effort sur le tourisme. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Le tourisme entré dans le pays, il y a dollars dépensés. Le tourisme a consommé, malgré a planté banane, a planté patate. Mm-hmm. Donc, on travaille, on vient de gagner, c'est pas ONG qui a beaucoup. Pour qu'à exporter pas demander. Voilà. Donc, nous avons besoin de faire dollars entrer. Et c'est le dollar entrer. Qu'on vende dollar facile. Mm-hmm. Que dollar pas gagne autant de valeur par rapport à good là. Mais qu'est-ce que tu as dit, président, où tu as gagné pratiquement 5 ans pour faire ça, pour relever non, pas gagné là. Ça qui passe. Ça qui passe qui fait ou pas réussi à mettre le côté, tu voulais mettre l'argent. Premièrement, l'on a fait un effort en Haïti. Il prend 2 ans pour l'idée convertie en réalité. Mm-hmm. Ça, c'est une. Deuxièmement, l'autre jour, je me dis, il y a deux fois, il y a des décisions bien prises comme chef d'État. Il y aura des conséquences libérales sur l'État, sur l'administration, sur l'instabilité. Il y a un autre 2 ans encore pour évoquer un simple directeur ou un simple ministre. Du fait que, il y a des situations qui font que, disons, un secteur important, un groupe de gens, pas sous même longueur d'avion, ou qu'à trancher. Mais l'on compare ça qui peut arriver en termes d'instabilité par rapport à sauver ou qu'on obligé de prendre décision. Est-ce que ça, président Mantelli, dit nous là, il est beaucoup plus administratif que politique? Il y a une combinaison des deux. Mm-hmm. Mais est-ce que vous plaidez là tout pour un changement de système administratif? Non? Parce que vous avez critiqué le système d'empile dans la campagne, au président. C'est sûr. Mais le système n'a pas changé avec un président. Le système n'a pas changé avec un parlement. Et c'est une reproche que nous faisons 49e législature. Là. C'est donc 49e législature qui était très bruyante, avec un président, nous songez, et c'était Dira, qui passait 3 dernières années comme président du Sénat. Mais 3 dernières années, c'était l'idée d'un programme qui était le déboulonner Matéli. Déboulonner Matéli, pas gagné pour eux, avec avancement peuple. Déboulonner Matéli, pas gagné pour eux, avec renforcer l'économie, pas gagné pour eux, avec création d'emplois. Mm-hmm. Donc, et nous avons besoin, parce que c'est à travers des lois, même pour restructurer l'administration, pour faire l'administration entièrement électronique, son loi pour passer. Mais lorsqu'on parle de par exemple, qui ne peut pas passer loi, et puis c'est bloqué et exécutif, c'est... Vous choisissez Jovenel Moïse comme monde qui peut représenter PHTK dans l'élection, et il y a des gens qui dit dans 3 mois, ou bayo là, on nèg banane pour venir président pays a. Bon, nous rapidement, président, 3 raisons qu'il faut choisir Jovenel. Et je dis à tout, on cap gado là, pour qui ça? 3 raisons qui t'a fait, supposé faire voter Jovenel. L'autre Jovenel, pour lui, pour contre lui, c'est un monde qui a une histoire, m'bab dit même j'avais, mais on parle de Jovenel, un monde qui sorti de plus loin, ou car prend un pays a, un petit paysan, mais qui passe l'école, et puis il veut dire qu'il vient un succès. Donc, Jovenel en lui-même, son modèle de réussite, je pense que la population haïtienne a besoin d'un modèle comme ça. Des gens qui reconnaissent tout. L'homme dit reconnaître là, l'autre, un petit gars qui a l'argent, vous dit monsieur, il a l'argent de travail dû, la population capable de reconnaître lui. Non, monde comme ça. L'autre, un petit paysan qui saute côté le sautier, arrive côté le rivière, monsieur Vin. Une histoire qui est tellement intéressante, même pour un jeune dans la population, un jeune dans l'université, un jeune qui était découragé avec l'école, un jeune qui était pensé que un petit malheur n'est pas arrivé, il vient soit à Carilé aux États-Unis, il dit American Dream, ça c'est rêve pour nous en Haïti. Un jeune garçon qui est
qui a fait bagaille. Mm-hmm. Donc, je vois des Jovenel, parce que Jovenel, pour qu'on parle de son modèle de réussite, son doux, on travailleur. Je vois des Jovenel encore. Parce qu'à travers le programme Jovenel, là, Haïti a bénéficié en pile du point de vue économique, du point de vue emploi, du point de vue stabilité. Parce que il y a un pile qui a passé là, c'est parce que le monde n'a pas travaillé, c'est parce qu'il y a un problème économique, c'est parce que il n'y a pas de stabilité. Mm-hmm. Donc, je pense que Jovenel a une capacité pour lui parler en population. Mm-hmm. C'est un rassembleur, dans tous les termes. Ça veut dire que monsieur, pendant qu'on est dans le PHTK, monsieur a parlé à tout le monde déjà. Et rassembler en ce sens que monsieur met mon ensemble pour produire. Rassembler en ce sens que le tout est difficile pour prendre 3-4 paysans qui ont un petit terre par ailleurs pour mettre ensemble. Monsieur fait là 3000 paysans. Donc Jovenel Moïse, ce n'est pas mon ça qui va le mettre devant et puis tu fais là dans mon derrière et vous appelez. Marionnette. Eh bien, si ça me va le faire. C'est musique carnaval, mais je ne vais pas le danser. Parce que je suis un chat. Et puis si je tire fil, monsieur, ça veut dire danser, je vais le danser. C'est pas ça. Moi-même, je pense que je fais ça, je le fais. Et je pense que montrer la population un respect que je voulais. Je vais choisir une famille Michel Martelly. Je vais choisir un petit ami Michel Martelly. Je vais choisir un monde qui a une valeur. Valeur propre à lui-même. Une valeur que le cas transmettre la population. Mm-hmm. Une valeur que la population a profité de lui. Un symbole. Un leader. Un exemple. Un modèle. Ça montre le respect que je voulais la population. Et je pense que Jovenel ne va pas être de 3 mois. Je pense que 3 mois petit, mais pour un nègre de 30 Jovenel, je pense que 3 mois t'es compte pour le t'es fait remel à travers l'histoire. Parce que c'est l'histoire que Jovenel vend. Mm-hmm. Et puis le monde, il a le langage aussi en plus. Parce que il était président de chambre commerce Nord-Est. L'on est président de chambre commerce. L'on assemblé devant. Il faut qu'à parler. Et pas parler pour parler. Parler pour convaincre. Parler pour diriger. Parler pour prendre leadership là, pour mener des mondes d'ailleurs. Je fais déjà. Je dis même que pendant le passage dans la chambre de commerce, la chambre de commerce en général changé. Je me garde la chambre de commerce. Il était président de la chambre de commerce Nord-Est. Mais je dis à part une chambre de commerce et dans un pays qui pas connaît existant Jovenel. Je me garde le map fait campagne et puis je me machine avec Jovenel. Je me saute dans le nord, je me dans le sud. Et puis Jovenel dit là, il y a 3 rivières. Là, il y a une rivière disséchée. Là, on a fait maille. Et ceci sous tout le pays. Donc, c'est comme si son monsieur qui fait travail déjà. Et attention, il va te connaître le président, mais il tellement remet la terre. Et nous n'avons pas d'économie. Il y a un bail qui est important qu'un pays doit faire, c'est choisir le modèle économique. Il y a deux pays qui ont décidé, c'est sous technologie qu'il a fait comme. Il y a deux pays, Bahamas par exemple, c'est sous tourisme qu'il a fait comme. Il y a un autre pays, c'est sous agriculture. Et il y a un autre pays encore, sous point 14, c'est sur le luxe. Et Dubaï, c'est le luxe, le beau, l'argent, et puis le monde qui voulait Allah ou Allah. Nous-mêmes, qui ça nous est? Parce que nous avons deux choix, mander ou bien faire. Parce que je vous dis, pour ne pas être mandé, c'est pour nous servir à ça. Mm-hmm. Nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons de l'eau, nous avons le monde. Le soleil là, a bon tourisme. Cap renforce l'économie. Le soleil là, a bon énergie. Cap bon énergie, la bon et travail la terre. Tout. Ou gen de loi qui ka permet de travailler à la terre. Donc, ou gen moun yo. Combinaison, nous ka mette li, et c'est ça Jovenel Moïse avant. Donc Jovenel, histoire la belle, mm-hmm. mais ça le vend nan simple. Et moun yo comprenne ni. Par contre, gen des politiciens, moi-même, moi entendé yo, qui fait 2 ans la fait politique, yo candidat à la présidence, mais yo parle d'un seul bagay, mate li volé. Mais leur campé son podium, et pour vendre une population plan, et puis plan pour là, c'est que mate li volé à bas mate li. Bon, moun qui parle de mate li yo ka vote pour. Mais combien de monde sous 11 millions qui va le comprendre avancement pays, c'est dans Abama Delilie. Mm-hmm. Mais un problème qu'on dit Abama Delilie. Mais okay. Comme candidat, et c'est ça que fait de mes discours, je vous dis population, à voter pour moun, on pensait qu'il a changé la vie ou là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Bon, et vous dire aux grandes populations qui a de plus en plus intelligent tout par rapport à la technologie. Là. Parce que, attention, longtemps, on est obligé, peut-être même qu'on ne parle pas français ou bien qu'on ne lit qu'on écrit. Je veux dire, il y a d'accord phonétique. Même les gens qui ne parlent pas français, ils l'ont écrit, ils ont écrit nos gens. Il s'agit qu'on comprenne. Je veux dire, c'est comprendre pour les gens comprendre, pour les gens prendre bonne décision pour les gens parler. Donc, c'est ça que fait. Le nous avons une mauvaise information et que vous ne comprenez pas. Ou qu'on mène, non trou, ou qu'on mène, non abîme. Il faut gagner information. Blindou, knowledge is power. Connaissance, c'est pouvoir, c'est connaître pour connaître. Donc, bonne information en matin, président. Jovenel Banane, c'est pas Jovenel, c'est pas seulement gérant Jardin Banane. C'est pas ça que bonne information. C'est mon nous a présenté là. Si nous devons être capable de nec piment,
vous venez l'exporter puis oui, on était capable de négler. On a vu ça. Président et ou job bailler mais vraiment faut que nous mettez fin à l'émission rapidement. Hop, 5 ans pas arrivé là. Ou gagne des regrets, des bagages côté fait. Je ne veux dire qu'on regrette pendant la présidence. Et regret moi c'est que bah on a pile monde qui vraiment passé à Haïti. C'est regret. Et m'ta dit DG Radio à Salem Rivé, d'un bon petit café avec elle. Le plus gros malheur à Haïti, c'est que tout le monde a parlé fort là. Tout ses intérêts personnels a défendu. Tout net. Et satisfaction, c'est que montrer la population, quand même, au moins avec dynamique que nous avons dans les premiers 3-4 ans, que tout le monde qui voulait qu'il fasse un pile fort pour Haïti. Et me faire comprendre tout que il n'y a aucun changement qui a fait sous un mandat, sous deux mandats, sous trois mandats. Soit un effort constant et continu. Parce que même dans un pays bon déjà, ça arrivait, un pile pays bon. Bon côté yo campé ou bien yo gen stabilité politique pays a fait bac parce que bagay yo a pas avancé bagay yo continue à pas avancer donc même pays bon yo pas doit camper nous imaginons nous pas bon et puis nous constamment à craser briser qui veut dire que nous non perpétuel fait bac nous camper en place nous pas faire pour qui ça c'est à pays a camper en bac c'est à Michel Martelly camper en bac c'est pas Caplume c'est pas Fritz Jean-Louis c'est notre mentalité de ne pas mettre tête nous ensemble c'est mentalité craser briser mentalité ne pas aller l'autre mentalité pas les partager par un monde capé c'est moi qui choisis capé à travers des noms et non non ça eux tu gagne monde qui était plus près so ça y a dit que me pas faire c'est pas vrai Victor Benoît est rentré dans le gouvernement là yo dit Victor allez quitter gouvernement pour mentir yo dit me des jours en fille là encore c'est ton mensonge. Mais le Victor pour aller l'aller parce que c'est un homme d'équipe, lui respecter ça a demandé là. Mais c'est un monsieur en allant lui garder, lui bon la main, dit président, mon cher, tout ça yo dit, assez ça yo dit. Même féliciter, monsieur frappé dans cœur parce que l'homme on bon côté moi prendre connaît moi pour que même ça comme travail. Ça comme travail. Si m'gap nous bagaille de pas tempérament, m'ka gon impression de farouche, de arrogance n'importe quoi. Maintenant, j'aime très tôt autour de mon amour, nous avons senti que c'est à cœur notre travail. Et justement, la question de tempérament, ça, est-ce qu'il y a des bagages côté fait, des bagages côté dit pendant 5 ans, qui des fois. Mon cher, bon Dieu, bon tempérament. Bon Dieu, bon tempérament. Et ça que fait, je vais aller capturer tout. Mais ça, je ne vais pas retirer. Même garde que le président Matéli, moi, là, son équipe extrêmement, exagérément sage pendant 5 ans, parce que, ou à noter que c'est pendant 5 ans que mon parle mal dans la radio. Parce que avant 5 ans, on ne va pas les mal dans la radio parce que le connaît ça me tape fait que dans balle que sous tête carnaval. Pendant donc ça sont abus que yo ferme et me kebe tête mes frettes, me pas réagir parce que l'on en pouvoir mon a fort du tort comme ça, fort mal comme ça, a dégradé en situation par rapport à des mensonges que a fait sur vous et ou t'es réagir. Et me pas dit que me comprendre monde qui réagit par le passé yo, même devle pire que ça. Et me dit souvent ou mettre continuer parler mal, yo pas besoin non son pile fatra. On met continuer parler mal, ne pas disparaître, ou pas prendre exil. C'est au contraire, on apprend à profiter, renforcer la liberté de la presse, la liberté de droit pour bailler opinion là, à travers soi faire là. Maintenant, pour quitter la liberté, ça tout. Permettre de gagner le tout, permettre de faire petit carnaval là pour me bailler sur tout. Dernière question. Oui, pratiquement. Pendant 5 ans, en quoi l'opposition a été idole? Vous sentez que les idoles ont acte posé ou dit ah, l'opposition a critiqué, mais là, les idoles. Concrètement. L'IEDEM, en ce sens que l'idée voilée qui s'allie. Gardez-vous, opposition dans l'élection, m'ba ouais que le renforcer tête. Il y a des partis là qui te comprennent yo mettre pays. Yo pas réussi à récolter un député ou bon sénateur. Donc l'IEDEM en ce sens que l'IEDEP haïtien. L'opre un président sénat qui était farouchement opposé comme ça. Rien doit opposer. Mais faut faire des bails pour pays. Donc le yo aller jusque sans limite comme ça yo vendre tête population vinn que pas gagne. Donc ça m'pas penser que population fait rien que moi regrette que m'pas content parce que yo fait ça yo ka faire ça yo konn faire qui c'est détruit qui c'est pas l'empile qui c'est bouler carotte yo fort là-dedans yo fort dans déstabiliser mais le au pouvoir même là m'poser nos questions qui ça yo fait parce que on y a critiqué pour 5 ans sous 5 ans m'n gagne des bilans m'gagne des bails écrit là et parce que bon moi m'te venir avec PM là et moi invité PM là parce que m'ta venir pour compte moi même dit PM n'a venu parce que il y a des monde qui a parlé tête en ensemble c'est moi qui invite Fritz parce que me connais et nous t'avons parlé de l'élection même pas bon menti m'pas regrette m'invite mais prochaine fois m'pas invité parce que il y a plus bam des bien dit parce que c'est tout son bilan si m'a parle de bilan une émission pas compte pour nous parler de bilan bagarre que nous fait et on parle de 4 ans
Parce que depuis la manifestation, il faut admettre que nous passons en mode pause, mais nous venons une priorité qui c'est la stabilité, la politique. Donc, et pour ne pas avoir autant d'emprise sur le monde qui a fait développement, ou bien peut-être pas même sens de responsabilité par rapport à ça qui a fait politiquement. Mais sur 3-4 premières années, nous, et jusqu'à date, nous avons continué. Mais vous avez senti une grande dynamique de changement. Aujourd'hui, l'image d'Haïti n'est plus ce qu'elle était. Là, sous les derniers 2 ans, nous avons 500 000 touristes en plus qui visitent nous. Vous connaissez ça, ça veut dire? Et vous connaissez qui vient de commencer? Premier touriste qui vient en Haïti que nous forcez, vous connaissez qui vient de nous faire? Nous payons place là pour l'avion. Première fois, nous avons fait touristes entrer, nous payons 13 places. Pas de bon monde qui entre. Nous payons. Nous continuons à payer. On 6 moun vini. Nous continuons à payer. Vous dites, nous sommes 500 000 moun qui ont visité Haïti. Les efforts ont été payés. Ce sont des efforts. Nous avons fait un pile parler de bilan, surtout sur question EO. Bon, on va jamais connaître. Nous l'étant toujours. Même le président encore, il faut inviter. On va jamais connaître. Président, il faut nous finir. Vous ne pouvez pas arrêter un président comme ça. Non, non. Ça m'a pas parlé. On l'a dit, gens, pour me faire des choses, je ne pense pas me dire. Président Martelly, vraiment pour nous finir. 7 février, nous avons joué sous Chavre, Jean Mastan. Et nous n'avons rien à poser aux questions. Vous pensez que son péché est la paix? Est-ce que Charles a commencé à préparer le président? Charles a presque fini. Monsieur et a fini. Carnaval. Vous attendez un petit mot? Et nous apprenons en privé après émission. Mais et Carnaval là, il prépare la sortie dans le jour là? Carnaval là, Paris, tout bas, Paris. Donc ça que tu as séculé a été vrai? Oui. Bon. Et président, premier ministre Evans Paul, ministre Jean-Philippe Jean-Louis, nous sommes contents de nous matin. Nous espérons que nous avons fait œuvre qui va. Nous avons aidé à comprendre plus ou moins ce qu'a fait pour le 24 janvier. Nous parlons en pile, nous disons en pile de bagaille. Mais ça ne suppose retenu. J'aimerais faire dans la fin de chaque émission. 24 là, lit sous route pour les fêtes avec rencontre ça qu'a fait là. Pour nous, on tue Jean à plani, chantier. Mais tout, nous disons le cas privé. Avant 24 là, même plus gros opposition, plus belle là, il n'y a pas de passer encore parce que nous arrivé dans un point de non-retour là. C'est ça que nous supposons qu'il y pour pour pourquoi 24 c'est là. Pourquoi c'est le message, je m'a dit téléspectateurs, auditeurs, merci en plus, le temps de nous, qu'on question te poser, moi, le président te répondre. Et le progrès économique, il est associé tout avec stabilité politique. Il doit charrier une vision sur le moyen et le long terme. Moi, expliquer, depuis mon arrivée, c'est une activité pompier mieux. Il y a 2 missions. Créer conditions pour l'élection faite et puis assurer la continuité de l'État. Les grandes initiatives politiques ont besoin de temps pour prendre plus de temps pour réaliser. En même temps, il fallait être prudent dans un contexte. Chaque geste qu'on fait qu'on doit compromettre l'avenir de l'État. Mm. On a fait un barrage de bonne foi, on a fait un barrage sur 10 ans, sur 15 ans. On dit, bon, monsieur le Premier ministre, là, pour un petit bout de temps, mais là, pensez pays à sous 25 ans, avec notre tête là, ce pays à ses pouvoirs, voilà qu'un bénet. Alors, nous gagnons toute une mentalité, Jean-Président, là, pour nous prendre action qui est bon pour le pays, pas un calcul mesquin du court terme, mais sur le long terme, pour la stabilité, pour le progrès et pour garantir un meilleur avenir pour notre génération qui voilà. Alors là, je dis, le pays a en face responsabilité lui, en tant que pays. Libéral dépend de comportement chaque acteur yo, pour nous prendre plus bon route là, ça qui est bon pour tout Haïtien. Ou bien c'est de l'eau toujours, Evans Paul? De l'eau. Comment c'est baissé? Pas quoi, li, pas plus petit que bouteille. Voilà. Alors, mais nous toujours déterminés pour nous faire effort de rassemblement, de consensus là, parce que nous conscients, rôle n'a pas joué, son rôle éphémère, bataille n'a pas mené, son bataille fondamentale pour la postérité. Le président Joseph-Michel Martelly, le premier ministre Evans Paul et le ministre délégué chargé de la question électorale étaient nos invités ce matin. Merci, messieurs. Nous prenons en pile l'entente, nous connaissons une journée encore longue. Eh bien, et bonne fin de journée déjà avec nous sur Métropole. Georges Alain, merci. Merci, Luckner. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le premier ministre. Merci, monsieur le ministre. Haïti tout le temps, tête posée pour Haïti Pifré, c'est thème carnaval là, Anessa. Et on nous espérait vraiment que le message ça, il a tombé dans bonnes oreilles. Et nous peut-être qu'à gagner en 2016 qui n'est pas fini, genre pile monde peut que les finir. Mesdames et messieurs, vous avez suivi la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Merci d'avoir été avec nous. L'émission était plus longue matin, on accorde nous temps. Merci, ça a vaut la peine. Passez une excellente journée avec nous sur Métropole. Bon jeudi, retour et nous croiser dans la prochaine occasion.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.